Bon, sinon, là, ce matin, petit tri de tous les produits que j'ai. Parce qu'en fait, je m'aperçois qu'Alia, elle grandit. Et vous voyez, les petits trucs comme ça, les petites fourchettes et tout, je vais commencer à en avoir. Pas fourchettes, mais petites cuillères, comme ça. Donc, j'ai commencé à en avoir besoin. Et également, il y a un truc qui me fait kiffer. C'est ça. J'avais oublié que j'avais ça tellement que je ne trie pas mes armoires. Donc c'est trop bien quand Alia elle mange. Donc je vais lui essayer tout à l'heure. Et je pense que ça va être trop trop bien. Voilà. Parce qu'elle a tendance à salir tous ses bavoirs, à salir tous ses vêtements dès qu'elle mange. Et ça, vous voyez, les aliments tombent dessus. C'est vraiment une veste qui s'attache comme ça derrière. Trop pratique. Voilà, je la trouve trop 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 pratique. C'est un bavoir veste. Trop pratique. Ça, à midi, je vais lui essayer. Ça, je vais ouvrir, j'allais le laver. Ça sera pour un peu plus tard. Hein, voilà. Enfin, plus tard. Ça passe hyper vite. C'est à partir de 6 mois. Ouais, ça passe trop vite. Donc, je vais commencer à trier, à tout laver. Même ça. N'empêche, ça va passer hyper vite. Merci. Click and mat de chez Touchek. Donc, ça, c'est trop cool. Ça va être trop pratique. Vous savez, je le pose sur. Regardez. Ça. C'est le truc de sa table. Sa table pour manger. Et maman, vous posez. Donc, et en fait, ça se met sur la paroi et ça permet à ce que, vous voyez, le bébé ne puisse pas le bouger. Ensuite, on vient clipper du coup l'assiette dessus. Vous voyez. Et bébé ne veut pas bouger son assiette. Voilà. Il ne peut pas du tout bouger son assiette. Il a beau la tirer, elle est fixée sur la paroi. Donc, c'est ça qui est bien. Vous avez le petit couvercle. Donc, pour refermer. Non, ça c'est le couvercle, c'est pour l'autre. J'ai tellement de trucs. Ah, voilà. Il est là. Vous voyez, vous en avez même avec des petits compartiments comme ça. Oh, j'ai trop hâte, là, je vais mettre les légumes, les trucs et tout pour agrandir. Et là, vous voyez, vous le refermez et ça sert de tupperware. Si par exemple, bébé voilà, n'a pas fini son assiette, j'ai pas envie de gâcher. Donc, hop, oh, c'est tellement bien fixé que j'arrive plus. Voilà. Hop, au frigo, et c'est trop bien, ça sert de super roi. Donc voilà, je trouve tous ces trucs Twishek fabuleux. Enfin, vraiment fabuleux. Donc là, je suis en train de faire tout mon tri. Hop. Ouais, j'ai plein de trucs, hein, Twishek. Bon, vous les avez pas qu'en rose, moi j'ai choisi rose. Mais regardez, je les ai aussi en blanc. Si vous les préférez plus neutres, il y a plusieurs couleurs sur le site, bien évidemment. Moi, voilà, j'ai tout choisi en rose. Là, c'est pas l'heure de manger, Alia. Bientôt, mais c'est pas l'heure, là. Non, il est que 11h, dans une heure, Alia. Là, elle voit que je commence à sortir les fourchettes et tout. Mais voilà. Et ça, alors, tout à l'heure, je vais lui essayer. Ça m'a l'air d'être... montrer, c'est vraiment le must du must. Donc les filles, si vous avez un bébé et que vous savez pas quoi choisir en termes de baignoire, cette baignoire elle est, mais c'est la vie. Regardez comment c'est archi stylé. On va manger, c'est trop bien, c'est magnifique. On va manger, hein, ma fille, regardez, au bord de la mer, c'est trop trop beau. Moi j'ai reçu. Quoi? T'as faim, on va manger, ma fille. Aïe, aïe, non, il ne faut pas manger les cheveux. Regardez comment il est trop content d'être là. Regarde. Écoute, c'est trop bien ici. C'est dans le thème en plus, Alia. Mais regardez le cocktail. Énorme. Bon, bah, moi, Diabolo Grenadine. Hein. Je change pas une équipe qui gagne. Tu veux le. Thank you.
Donc ça y est, on est rentré. Je viens juste de rentrer à l'instant. Et là, je pile poil en plus pour l'heure du goûter d'Alia. Et Alia, elle vient se réveiller. Elle est dormie pendant la voiture. Bah oui, mon amour. Et comment je l'aime, cette petite fille. Dès qu'elle se réveille, elle sourit, je la bouffe. Et là, je vais la préparer parce que... Enfin, la préparer, la prendre parce que ça va être l'heure du goûter. T'es l'amour de toute ma vie. T'es l'amour de toute ma vie. C'est l'amour de toute ma vie qui a été encore trop, trop sage. Elle était trop sage. Sa petite combi, les filles, qui habille. Il y en a plein qui m'ont demandé. Donc, qui habille, voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Du coup... Du coup, là, au goûter... Alors, ce midi, elle s'est régalée. C'était carotte butternut. Il faut qu'on refasse plein de petits pots pour le midi et le goûter. Là, pour le goûter, du coup, bah, j'ai pas de... On n'a pas fait, donc parce qu'on n'avait pas de fruits qu'on aille en acheter. Du coup, j'ai, vous savez, j'ai les petits pots bio qu'elle avait déjà goûté, que j'avais acheté, donc j'en ai pris d'avance. Donc ça, c'est bon, je vais lui donner ça pour le goûter. Sinon, ce midi, c'était purée maison. Hein. La maison, pour le midi, on a des légumes, vu que j'ai fait beaucoup de petits pots que j'ai congelés. Du coup, ça en avait. Mais pour le goûter, non. Donc là, le goûter, c'est ça. Je vais vous montrer. Pomme pruneau. Voilà. Donc là, ça va être pomme pruneau. Voilà. Donc, elle avait déjà goûté, elle s'était régalée. Donc là, elle va encore se régaler. Une cuillère. Ma princesse, on va manger. Voilà. Merde, j'ai ma mouillée, putain. Forcément pour moi. Ah ouais, ils sont durs à ouvrir. Mais c'est une blague.